Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis actuellement à Electrodépôt de Landa, Clermont-Ferrand, je vous emmène faire un petit tour du côté des arrivages. Je commence ici avec cette belle petite machine à café, c'est la DeLonghi. Alors DeLonghi Expresso avec broyeur, c'est la Magnifica S. Alors elle existe en argenté aussi, hein. Faut voir, faut bien vérifier, vous voyez, il y a plusieurs couleurs, il faut bien regarder la case qui est cochée. Alors café, vous pouvez mettre du café en grain, du café moulu, 15 bars pour la pression, d'accord. Réservoir c'est 1,8 litre, puissance 1450 watts, voilà, au prix de 298 euros. Alors dans les DeLonghi on va pouvoir retrouver celle-ci également, c'est la DeLonghi Dynamica avec le mousseur de lait. Vous voyez, vraiment pas mal celle-là aussi. Alors, 15 bars, 1,8 litre, 1450 watts, 499 euros. On l'a aussi en noir, c'est en noir. C'est pas la même chose, hein. Vous voyez qu'au niveau des écrans, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est la Dynamica aussi. Elle est à 419 euros. Sur le descriptif, c'est la même chose. 1450 watts, 1,8 litre de contenance et 15 bars. Là, on a la Magnifica Evo. Magnifica Evo. On a ici l'écran qui est juste là, bah, les touches. 15 bars, 1 litre 800, 1450 watts, 399 euros. Expresso avec broyeur DeLonghi. Donc là, café grain, café moulu. C'est la Magnifica S, du coup en argenté. Elle a 399 euros. Celle-ci, c'est la Melita Solo. Donc vous voyez, on la voit un peu mieux ici. Et pareil, elle existe en deux coloris, 15 bars, 1 litre 200, 1400 watts. Après, on a la Beko, donc celle-là, regardez. Là, c'est uniquement du café en grain. Comme celle-là, d'ailleurs, à côté, c'est café en grain. Café en grain, 19 bars. Ça, c'est bien. En termes de puissance de bar, une bonne pression, là. 19 bars, 1,5 litre, 1350 watts. Et elle est à 199 euros. Moi, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Vous voyez, elle est notée 4,6 sur 5. Bah, sur Google, sur internet, donc franchement super bien aussi de regarder des avis. Et là je trouve qu'elle est super bien notée et 199 euros, 19 bars. Même les DeLonghi, c'est 15 bars. Ouais, elles ont 15 bars. Vous avez celle là la DeLonghi, la Stylosa. Celle-ci, café moulu uniquement, 15 bars, 1100 watts, 129,98 euros. On a la machine à café Dolce Gusto. Elle n'est pas très grande, sympa. Il y a 48 capsules offertes avec dans le carton à 34,98. La Tassimo de Bosch. 3,3 bars, 700 ml de contenance, 1400 watts, 44,98. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous recherchez quelque chose en particulier. Ça a l'air d'être pas mal. Petite bouilloire et théière en même temps. Regardez. Vous pouvez trouver votre petit thé directement à l'intérieur. Ça, c'est pas mal. Franchement, ouais. Regardez, on a un petit infuseur à l'intérieur. Vous pouvez l'utiliser ou pas. Lumière LED aussi. Bouilloire à lumière LED. Panier à thé amovible, ça, c'est ce que je vous disais. 39,98 €. Voilà. 1 litre 700. On a ici un affichage LED. Et vous pouvez choisir la température plus ou moins, voilà. D'ailleurs, chez Electrodépôt, on a pas mal de petites choses sympas. Hein. Regardez les petits moules. Enfin, des petits mendiants en chocolat. Il y en a 12, c'est 2,99 €. Vraiment pas cher du tout. Petit mendiant en chocolat, 2,99 €, hein, le moule. Après, on a plein d'autres moules ici. 2,99 € les moules. Moule à tartelette. Ici, vous avez des petits moules comme ça. Et des petits oursons. Alors ici, on a le Cake Factory. Cake Factory. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? N'hésitez pas à donner votre avis. Moi, je sais que franchement, les peu d'avis que j'ai dessus, on me dit c'est une dinguerie. C'est super bien pour faire cuire les gâteaux et tout. 199 €. Voilà, 199 € pour le Cake Factory. Là, on a le petit accessoire moule à gâteau. Si vous avez donc le cookie-o.
19,98€. Hop, vous le mettez à l'intérieur, vous pouvez faire cuire vos petits gâteaux dans le cookieo. Et si votre cuve, par exemple du cookieo, elle est abîmée, ça fait un moment, ça fait des années que vous l'avez, eh bien vous pouvez la remplacer. La cuve, elle coûte 39,98€. Donc c'est une cuve de 6 litres, hein, c'est la même chose. Voilà. Après, le cookieo, on ne retrouve que celui-ci là de dispo aujourd'hui. C'est le cookieo plus connect. Alors 296,99€, multicuiseur, cuisson sous pression, à la vapeur, mijoté, 1600 watts, 200 recettes inclus. Alors le petit hachoir, vous avez celui-ci de la marque White One, 10,98€ pour ce petit hachoir, ok, pour hacher les fruits à coque, etc. 500 ml de contenance, 200 watts. Après, vous avez celui-ci de la marque Braun. Normalement, il y en a un autre en vert, c'est qu'il est en rupture. On le retrouve tout le temps. Là, il n'y a pas. Il y a celui-ci de la marque Braun. 34,98€. 500 watts. Petite yaourtière Sweet Alice, 8 pots. Des petits yaourts maison. 25€. Tiens, c'est nouveau celui-là. Petit robot. Ah oui. Oui, c'est sympa. Regardez, on a c'est le Multi Pro Compact de Kenwood. Il y a des 800 watts de vitesse, fonction pulse. En fait, on a deux. Vous avez ce bol là. Voilà. Hop, vous le mettez là. Ok, tout va bien. Et lorsque vous souhaitez, vous pouvez mettre le blender. Voilà, il y a plusieurs fonctions de vitesse, fonction pulse pour les smoothies, etc. Kenwood, donc voilà, avec le blender, ça donne ça. Et on a même donc des râpes pour râper vos légumes, c'est cool ça. Pour émulsionner. Ok, bref, il y a différents accessoires. 79,98€. On a celui-ci, plus ou moins avec les mêmes fonctions, vous voyez, avec un blender, un mixeur. Alors 1000 watts, celui-ci, il est un peu plus puissant, c'est de la marque Cozy Life, 3,5 litres. Il y a aussi des accessoires pour pouvoir râper vos légumes. Voilà, donc au prix de 69,98€. Je vous montre là. Mais il est beaucoup plus grand par rapport à celui-ci, hein, carrément. Il est encore plus design, je trouve. Il est pas mal. Après, regardez, on a celui-là de la marque White One. Ah, c'est nouveau parce que je ne l'avais jamais vu celui-là. Hein. 1 litre 200, 500 watts de vitesse. Qu'à deux vitesses, fonction pulse. 29,98€. Regardez-moi ça. Ici, on a un cuiseur à riz de la marque Techwood. Oh, il est immense, les amis. Il est big. Ah ouais. Ça, c'est bien. Quand vous êtes une famille nombreuse, vous avez ici une cuve de 4 litres 200. J'aurais dit plus. Incroyable. 4 litres 200, 1600 watts, cuiseur à riz, 49,98€. Voilà. Sinon, vous avez un plus petit, celui-ci. 47,98€, cuiseur à riz de la marque Tefal. 47,98€. Alors, du côté des air fryers, je vous montre ce qu'on retrouve. Il y a pas mal de choix là, regardez. On a celui-ci de la marque Cozy Life avec deux bacs. 2 bacs de 4 litres 200, 89,98€, 2600 watts, donc 2 bacs de 4 litres 200, 6 à 8 personnes. Ok, ici on a donc la friteuse de la marque Joka, 7 litres, elle est immense, 7 litres de contenance, c'est vraiment très très grand, 7 litres, c'est parfait. Donc ici on a différents programmes prédéfinis à 79,98€. Vous avez celle-là, tiens, c'est nouveau, de la marque Moulinex en vert, un joli vert bouteille. Ici, on a un écran qui s'affiche pour 6 personnes. C'est une 5 litres de contenance, Air Fry Max, 69,98€. Ok, ensuite, on a elle est en fin de série, mais fin de stock.
Donc là, il n'y en a pas, mais peut-être que dans quelques jours, ils vont en remettre. Sinon, n'hésitez pas à voir sur leur site internet, vous pouvez peut-être la commander. C'est la marque Ayer, c'est une 6 en 1. On est sur combien là? 5 litres de contenant, 59,98€. Ouais. Friteuse Cozy Life, digitale, 5,7 litres. 5,7 litres, 1700 watts, elle est à 49,98€. Franchement, il y a du choix là. On a la friteuse Q-Max. Alors, il y a différents programmes prédéfinis. Alors, la grande aussi. Alors, attendez. Une 6 litres 5, voilà. C'est une cuve de 6 litres 5. 1600 watts à 49,98€. Et ici, on a donc la friteuse Electron. 29,98€. Elle est plus petite, hein, c'est 3 litres de 5. Une à deux personnes, c'est bien. 29,98€. Voilà, 1400 watts. Pour faire des bons petits jus maison, là, pour presser vos agrumes, ça a l'air d'être pas mal, ça. Elle est trop belle, en tout cas, j'aime beaucoup celle-là. Moi, j'ai celle-ci à la maison. J'ai un petit format. Presse agrumes, 19,95€. Alors, c'est une combien 100 watts, pardon. Celle-ci, 400 watts. Non, je te dis des bêtises. 400 watts, c'est ça. Ok. 160 watts, 3 litres 200. Et là, on a une centrifugeuse. Elle est à 29,98€. Elle est à 39,90€ et que les étiquettes, elles ont été switchées. Donc celle-ci, elle est à 29,98€. Là, 39,98€. Voilà. Et du coup, on est sur une vitesse 400 watts de vitesse. Voilà. Et après, vous avez là, celle-là, en centrifugeuse, à 69,98€. Une vitesse 200 watts. Et bien voilà, mes petites pommes d'amour. Moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ce petit tour chez Electrodépôt vous aura plu. Je vous dis donc à très vite. Prenez bien soin de vous, pardon. Gros bisous, bye bye.